On peut mettre ces textes des pères en parallèle avec les magnifiques textes des impropères du Vendredi Saint. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai tiré de la terre d'Égypte que tu as préparé une croix à ton sauveur? Est-ce parce que je t'ai conduit dans le désert pendant 40 ans, nourri de la manne et fait entrer dans une terre de choix que tu as préparé une croix à ton sauveur? Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai point fait? Moi-même, je t'ai planté comme la plus éclatante de mes vignes et tu ne m'as donné que de l'amertume quand dans ma soif tu m'as abreuvé de vinaigre et tu as percé d'une lance le côté de ton sauveur. Par amour pour toi, j'ai frappé l'Égypte dans ses premiers-nés et toi, tu m'as livré à la mort après m'avoir flagellé. Je t'ai tiré d'Égypte et j'ai submergé Pharaon dans la mer rouge et toi, tu m'as livré au prince des prêtres. Je t'ai ouvert un passage dans la mer et toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée et toi, tu m'as mené au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de la manne dans le désert et toi, tu m'as meurtri de soufflets et de coups. Je t'ai abreuvé de l'eau salutaire, sorti du rocher et toi, tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. À cause de toi, j'ai frappé les rois de Canaan et toi, tu m'as frappé la tête avec un roseau. Je t'ai donné le sceptre de la royauté et toi, tu as mis sur ma tête une couronne d'épines. Je t'ai élevé à une haute puissance et toi, tu m'as attaché au gibet de la croix. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi.